Bon ben bon matin à tous là, ben, j'ai fini ma coupure, donc là je vais pouvoir redémarrer. Donc là j'ai vu au niveau de l'accident du train, là apparemment ils auraient ouvert l'autoroute, donc ben il y a un bouchon, mais je vais quand même prendre par là parce que ça va m'éviter de faire un grand tour là. Puis ben, je verrai bien de toute façon faire un grand tour qui rallonge ma route de 2 ou 3 heures, et ou alors ben, aller dans un bouchon pendant 1 heure, le choix y est vite fait. Bon, je vais essayer de vous montrer là derrière, il y a tout Albuquerque là qui est illuminé là, ça fait super beau, mais je sais pas ce que ça va rendre avec un téléphone. Alors voilà, tout ça c'est Albuquerque éliminé. Éliminé, je veux dire éliminé. N'importe quoi. Voilà. Bon, c'est sûr que au sol comme ça, ça rend pas pareil que ce que je vois en vrai, quoi. Mais bon, c'était juste pour vous montrer quand même. Bon, là j'ai de la chance parce que, bah, je sais pas si vous me voyez, parce que comme il fait noir là. Mais bon, j'ai de la chance parce que là, à côté de moi, là. Ouais, pour en finir, hier soir, là, le gars avec son pick-up, je lui ai demandé s'il dormait là, il m'a dit oui. Mais apparemment, il n'avait pas dû voir que c'était une place payante. Donc après, il y a lui qui est venu se garer, ça va, je l'ai vu se garer, donc j'ai pu le guider un peu, quoi. Puis normalement, ben, il n'y avait pas. Ça se voit pas dans le noir, là, mais là, il y a des véhicules de garer, là. Y a on a des pick-up ici, ils ont des remorques bientôt aussi longues que nous, là. Mais bon, ça se rend, on se rend pas compte dans le noir, quoi. Mais bon, j'ai de la chance, les deux camions qui étaient à côté de moi, là, ils sont partis. Donc je vais pas avoir de difficulté à sortir de ma place, quoi. Bon, là, j'ai allumé mes phares, là, pour montrer un peu, là. Normalement, au niveau du camion blanc, c'est ça la dernière place. Donc, il y a lui qui garait là, mais moi, bon, je pars par là. Donc, il y a lui et un deuxième à côté de lui, là. Comme j'ai dit, bah, j'ai de la chance. Moi, l'autre à côté, il est parti. Du coup, je ne vais pas emmerder pour sortir de là. Allez, bah, allez, c'est parti. À tout de suite. Bon ben c'est un peu la merde là, parce que hier il y a eu un accident de train, avant hier il y a eu un accident de train là, et puis du coup la route elle a été coupée là, mais là bon ils ont réouvert la route, seulement on passe par une sortie d'autoroute, donc là ben, actuellement là, tout est bloqué. Alors j'ai essayé de zoomer pour faire voir un peu l'ampleur du bouchon là, jusqu'à là-bas, et après ben moi je vois pas plus loin forcément, donc ben voilà, je sais pas combien de temps ça va mettre là pour passer la sortie. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire un basculement, parce que l'autre sens, ceux qui viennent dans l'autre sens, l'autoroute, elle est ouverte. Donc, je pense qu'ils auraient dû plus faire un basculement sur l'autre voie pour nous laisser passer. Mais ça aurait été plus rapide, je pense. Ou alors laisser les deux, la sortie plus basculement sur l'autre voie, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, bah, on va prendre son mal en patience. Donc, bah, moi, je suis ici, hein, dans la queue, là, je fais la queue. Bon, il y a beaucoup de camions, ils ont dû dormir sur les côtés. Bon, le paysage est quand même pas mal beau, hein. On est à Albuquerque. Là, il y a des traces. J'ai aidé quelqu'un a dû chercher à faire un demi-tour ici hier. Là. Voilà. Bon, ben, moi, je vais retourner dans la cabine là parce que, ben, il fait pas très chaud. Et puis, ben, je vais attendre. On verra bien. Bon, je suis toujours dans le bouchon là. Ça va faire 1h23. Alors là, ben, pour l'instant, on avance tout doucement, mais maintenant, la question se pose. Est-ce qu'arrivé à la sortie d'autoroute, il nous laisse aller tout droit?
Ou est-ce que ben, en fait tout le monde avance et après on doit faire soit demi-tour, soit. Moi, je vois une route là, et depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a plein de camions qui remontent par là. Alors, moi, j'aurai la surprise une fois que j'arrive à la sortie. On verra bien. Bon, en fait, je viens de bien regarder là, sur mon téléphone la carte, c'est pire ce que je croyais là. Donc, à mon avis, j'ai bien été obligé de faire demi-tour et de passer par Phoenix parce que. Alors, moi, je suis ici là au niveau. Bah là, on voit que c'est bon, c'est rouge là, donc. Au début, moi, je voyais comme là, je voyais que la partie ici était fermée, mais ça, c'est la partie de l'autre route qui va tout droit. Donc, je dis, bon, à tous les coups, ils nous font contourner. Mais après, quand on dézoome un peu, quand on va voir un peu plus loin, c'est là qu'on s'aperçoit l'ampleur du drame. Là, c'est tout interdit, là. Sur toute cette longueur-là, là, en fait. Et là, donc, il n'y a pas le choix, là. Il va falloir que. Du coup, il va falloir que je fasse un demi-tour et que je vienne ici passer par Phoenix. Pour aller à Los Angeles et bon bah d'après ce matin j'ai vu là ça me rallonge de 5 heures quoi. Bah ma mère j'ai pas le choix donc je vais faire demi-tour parce que je vois là il y en a ils coupent en travers là pour aller rattraper la 25 mais bon je vais faire ça par l'autoroute parce que en fait je suis à une demi-heure derrière moi là pour rattraper la 25 donc je vais faire un demi-tour plutôt que d'aller couper à travers par les petites routes là. Oula, bon bah tout à l'heure.
Bon voilà, je me suis arrêté pour manger, là je me suis enfin sorti de ce bouchon là. Bon donc là je suis sur la 25 hein, en direction Las Cruces je crois que c'est marqué. Et je vais passer par Phoenix. Alors bon bah le paysage est magnifique. Quand on voit les montagnes là-bas, je vais essayer de zoomer là. On a l'impression d'être dans un décor de western là, c'est incroyable. Et au phare derrière aussi là. Oh quel bouchon hein. J'ai perdu 2 heures là. Pour en finir, devoir passer quand même par Phoenix. Donc là, bah, le parking il est comme ça là, il y a des camions garés là. Et puis derrière là, c'est beau, on voit les montagnes. J'ai essayé de passer au-dessus du truc là. Voilà. Alors là, le paysage, je dirais des décors de western, là, c'est trop beau là. Ah là là, depuis tout à l'heure, j'en prends plein les yeux là, c'est incroyable. Là, les plantes, là, je sais pas ce que c'est. Là. Parce que c'est la marque. Voilà, bah, moi je suis garé là. Donc bah, là, je vais retourner manger un morceau, faire ma petite sieste, et puis je vais repartir tranquillement. Voilà. Bon, il fait beau là, il fait 20 degrés, c'est agréable, il n'y a pas de vent, ça fait du bien. Bon, ben voilà, j'ai fini ma coupure, là j'ai mangé, bon, j'ai fait ma sieste là, et puis bon, j'ai redémarré là, il fait 31 degrés, il fait super beau, ça fait du bien. Bon, ben, le paysage, il n'y a pas bougé là. Oh, voilà. En face, là-bas, c'est la même que ce côté-ci. Là. C'est... En fait, c'est une rest area, c'est, en fait, c'est une aire de repos. Et puis, il n'y a rien, il y a juste des toilettes. Puis, il y a juste un distributeur de boissons éventuellement. Voilà. Donc là, bah, je vais pouvoir redémarrer. Et puis, bah, du coup, il me reste 1332 km jusqu'à chez mon client. Là. Je fais un gros détour. Là. Enfin. Allez. On va arrêter de s'apitoyer, hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. Et puis, bah, en route, mauvaise troupe.
soul searching, fall apart. Tunnel vision, hiding in the dark. Well, I ain't gonna holler before I really bleed. Salvation, a quick fix remedy. You said I never could, ever could change. I thought I never could, ever could change. They said I never could, ever could change. Damn right, never would. Leave the light on. Leave the light on. Just leave the light on. Yeah, leave the light on. If I'll ever change, I promised you long ago to be a girlfriend.
Bah voilà, on va arriver à mon parking là. Ah, pour en finir, dans l'application que j'ai là pour les parkings, il me disait pas qu'il y avait un pilote ici. Puis bah, du coup, ça tombe bien. Comme ça, j'ai trouvé un pilote quand même. J'ai pu me garer. Bon, c'est un peu folklorique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Pourtant, il est pas tard ici. Hein. Il doit être 18h30 et voilà quoi, 19h peut-être maintenant. Donc bah, j'ai repris encore une place payante parce que de toute façon, voilà. Normalement je voulais passer, là je suis à côté d'une ville qui s'appelle Tucson et je devais aller rejoindre un Flying J là, mais le problème c'est que j'ai vu qu'il y a encore une fois l'autoroute qu'elle avait l'air fermée là. Donc j'ai pas pris le risque, je vais m'arrêter là. Au moins je suis sûr d'avoir de la place et puis bah, de toute façon mes heures commencent à diminuer là. Bon voilà, c'était un peu des rues de péripéties là, faire un grand tour comme ça là. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, là, il y aurait eu des ouragans. Là. Et ça serait un ouragan qui aurait fait dérailler un train là, en Arizona le long de la 40. Là. Voilà. Ouais, donc là, bah, je me suis acheté deux parts de pizza. Je vais allumer la lumière dans la maison. Donc là, bah, elles sont là. Là. Je pense que je vais me régaler. Et puis voilà. Après, bah, au dodo, et puis bah, du coup, là, je me suis arrêté bah, à 22h. Donc, je vais remettre en route à 8h, puisque c'est 10 heures de coupure. Puis, bah, il me reste encore 800 km pour arriver chez mon client. Donc, demain, j'aurai un 30 minutes à faire avant d'arriver chez le client. Quoi. Voilà, bah, demain matin, les amis.